programme d'Africa Tech et bienvenue à votre émission La Voix du Croyant. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لوانج الله سبحانه وتعالى nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. C'est lui qui guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en fait qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un thème important. Capital même, je dirais en islam, je veux nommer la succession. La succession, appelée ilmul faraid, consiste à partager les biens du défunt à ses héritiers selon les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. La succession, chers frères, en islam, elle est aujourd'hui source de tensions, de malentendus, de tiraillements, voire même de querelles familiales. Beaucoup de familles se sont retrouvées aujourd'hui dispersées à cause d'un problème de succession. Beaucoup de dossiers de succession sont aujourd'hui pendant devant nos juridictions, ce qui constitue un fait déplorable, regrettable même, d'autant plus que nous sommes ou que nous réclamons tous donc des musulmans. Chers frères et sœurs en islam, une fois qu'on se déclare musulman, on n'a plus de choix sur les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent donc, on n'a plus le droit de prendre ce qui nous arrange et de rejeter ce qui ne nous arrange pas. Et c'est qui agissent ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala leur promet l'ignominie, c'est-à-dire un grand déshonneur en ce bas monde, et un dur châtiment le jour de la résurrection. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint Coran: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous donc le reste. Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte
ne mérite que l'ignominie dans cette vie. Et au jour dernier, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Chers frères et sœurs en islam, la succession fait partie, si vous voulez, des sciences les plus importantes de la législation islamique. Et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam l'appelle Nisful Ilm, c'est-à-dire la moitié de la science, et exhorte les musulmans à bien l'apprendre. C'est pourquoi le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit Ta'allamu al-fara'ida wa 'allamuha an-nas fa innaha nisful ilm. Ta'allamu al-fara'ida wa 'allamuha an-nas fa innaha nisful ilm. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit d'étudier la science de la succession et faites l'apprendre aux gens, car elle constitue la moitié de la science. Et c'est par son importance même qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'en est approprié personnellement. Il n'a même pas laissé entre les mains du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam en ce qui concerne le partage des parts. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a désigné dans le Coran la part de chaque héritier lorsqu'il nous dit, je cite, Yusikum Allahu fi awladikum li zakari mithlu hazil unsayin. Pour ce qui est de vos enfants, voici ce que je vous ai prescrit. Le garçon aura la part de deux filles. Donc jusqu'à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate les différentes parts successorales, donc revenant à chaque héritier. Chers frères et sœurs en islam, vous savez qu'avant l'événement de l'islam, la succession se faisait de façon injuste. Les femmes et les enfants étaient exclus de l'héritage de leurs parents. Ils n'avaient pas droit à la succession. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le ou les versets traitant les parts successorales. C'est ainsi qu'il nous dit لِرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونِ وَلِنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونِ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُودًا. Aux hommes est assignée une portion, aux femmes de même est réservée une part de la succession de leurs parents et proche, quelle qu'en soit donc la quantité. Et le second verset, c'est celui cité tantôt, c'est-à-dire Yusikum Allahu fi awladikum li zakari mithlu hazil unsayin. Pour ce qui est de vos enfants, voici ce que je vous ai prescrit en matière de succession. Le garçon aura la part de deux filles. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous dit qu'en matière de succession, d'être partial
et d'attribuer à chaque héritier la part qui lui est assignée. C'est pourquoi il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hiku al-Fara'id bi ahliha, Sama baqiya fa'awla rajulin zakar. Attribuez à chacun la part qui lui est assignée. Le reste de la succession sera remis au garçon, donc ayant plus de droits. Yani fa'awla rajulin zakar. La succession, chers frères en islam, est une science qui présente beaucoup de mérites d'après le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui nous dit « Man ta'allam al-fara'ida, faka'annam al-itku ashra raqaba, wa man qata'ahu adkhalahu allahu nar. Man ta'allam al-fara'ida, فَكَعَنَّمَا الْإِتْقُ أَشْرَقَبَ وَمَنْ قَتَعَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارِ. Il nous dit, celui qui étudie la science de la succession et la pratique convenablement, voyez, il sera comparable à celui qui a affranchi 10 esclaves en matière donc de récompense. Vous savez, du temps du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, l'affranchissement d'un esclave donc était un acte salué par Allah subhanahu wa ta'ala, un acte qui présentait beaucoup de mérites. Mais waman qata'ahu adkhalahu Allah nar. Le prophète poursuit toujours dans ce hadith. Il nous dit, mais celui qui transgresse les règles de la succession établies par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à priver un héritier sa part de succession, Allah subhanahu wa ta'ala va sans doute lui priver le paradis. Allahu Akbar. De ce fait donc, soyons partiels en matière de succession. En grand temps, nous allons voir les conditions établies pour la succession, c'est-à-dire shurut al-mirath. Pour établir, chers frères en islam, la succession d'une personne en islam, il faut impérativement les conditions suivantes. D'abord, il faut qu'il y ait al-muwarith. C'est la première condition. Al-muwarith, c'est-à-dire que la personne a hérité, soit morte ou déclarée morte. Donc, il faut que la personne à hériter soit morte ou déclarée morte. Tant que la personne n'est pas morte ou déclarée morte, on ne pourra pas procéder à sa succession. Même étant dans le commun, des années durant, on ne va jamais procéder à sa succession. Donc, il faut donc qu'elle soit morte ou déclarée morte d'abord. C'est la première condition. Deuxième condition, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle al-warith. D'abord, la première, c'était al-muwarith. La seconde, c'est al-warith. C'est-à-dire que la personne morte laisse derrière elle un héritier vivant le jour même de sa mort. Donc, il laisse un héritier vivant le jour de sa mort.
Supposons une mère ou qu'une mère vient de perdre son enfant alors qu'elle est enceinte. Le fœtus donc qu'elle porte dans son sein aura droit à la succession de son frère s'il n'est vivant, car à la mort du frère, il était déjà constitué. Je répète. Donc, supposons qu'une mère vient de perdre son enfant alors qu'elle est enceinte. Le fœtus donc qu'elle porte dans son sein aura droit à la succession de son frère s'il n'est vivant. Car à la mort du frère, il était déjà constitué. Mais si le fœtus est conçu après sa mort ou après la mort de son frère, dans ce cas, il sera exclu de sa succession. C'est très important. Il est important de préciser sur donc la deuxième condition. Il est important de préciser que si la personne ne dispose d'aucun héritier ou d'aucun héritier vivant, toujours, sur tous les côtés, sur les côtés ascendants, descendants ou collatéraux, dans ce cas, on ne va pas procéder à sa succession. Donc, si la personne ne dispose d'aucun héritier sur tous les côtés, ascendant, descendant, collatéraux, on ne va pas procéder à sa succession. Dans ce cas, ses avoirs seront tout simplement versés au trésor public, c'est-à-dire Baytul Mal. Et c'est celui qu'on appelle Al-Kalala. Al-Kalalatu. Ya'ni, man la walada lah, wa la walida lah. C'est celui qui n'a laissé ni enfant, ni parent. C'est celui qu'on appelle Al-Kalalatu. Donc, il n'a laissé aucun parent sur tous les côtés, ascendant, descendant, collatéraux. Donc, tous ses avoirs seront versés au trésor public. Troisième condition pour établir la succession d'une personne, il faut que la personne laisse des avoirs ou des biens héritables. Si elle n'a pas laissé d'avoirs ou des biens, on ne va pas non plus procéder à sa succession. Vous savez, il y a des biens qu'on n'hérite jamais, tels que les épouses, par exemple. C'est vrai, on dit souvent, dans notre langage, qu'il a hérité la femme d'eux. Mais en réalité, c'est un mariage. Il l'a épousée. Donc, on n'hérite jamais une épouse. Il y a aussi les petits accessoires de bain, tels que par exemple ses caleçons, ses gants, ses brosses à dents, etc. Ce petit matériel n'est pas à hériter. Il est recommandé de les enterrer, donc dans la plus grande intimité, car étant des accessoires purement privés du défunt. Voilà donc les trois conditions qu'il nous faut réunir pour établir la succession d'une personne. En grand 2, nous allons voir les raisons de la succession. Yani, asbabul mirat. Pour les asbab,
ou bien pour pouvoir bénéficier donc de la succession d'une personne, chers frères en islam, il faut que vous ayez avec elle un de ces liens suivants. Que vous ayez d'abord, premièrement, un lien de parenté, yani adnasab, c'est-à-dire être soit un parent ascendant, comme son père, son grand-père ou son arrière-grand-père. Deuxièmement, ou soit, toujours sur le premièrement, sur adnasab, le lien de parenté, ou soit donc un parent descendant, comme son fils, son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Ou soit un parent collatéral, proche ou éloigné, comme le frère germain ou consanguin, l'oncle germain ou consanguin aussi. Si vous n'avez aucun lien de parenté donc qui vous lie avec les défunts, dans ce cas vous n'aurez pas droit à sa succession. Donc il faut que vous ayez un lien de parenté. Deuxième raison, il faut un lien conjugal qui vous lie. Yani al-ziwaj sahih. Vous savez, le lien conjugal, il établit automatiquement donc le droit à la succession. Pour que l'homme et la femme s'héritent, il faut qu'ils soient dans un lien conjugal légal, c'est-à-dire un mariage reconnu et accepté par l'islam. S'ils vivent, par exemple, dans une union libre, ou en concubinage, ou même dans un lien conjugal non reconnu par l'islam, dans tous ces cas de figure, il ne pourrait pas y avoir de succession, donc à la mort de l'un ou de l'autre. Donc il faut donc qu'il soit dans un lien conjugal, légal, reconnu et accepté par l'islam. Un mariage valable. Et là, il est important de préciser le cas de la femme répudiée. Pour la femme répudiée, elle va bénéficier de la succession de son époux tant que son délai de viduité donc n'est pas expiré. Donc tant qu'elle est en période de viduité, si son mari meurt, elle va bénéficier de sa succession. Mais une fois que son délai de viduité expire, elle n'aura plus droit donc à la succession de son époux. Et troisième raison, c'est ce qu'on appelle al-wala. Donc, pour prétendre à la succession d'une personne, il faut ce droit de patronage, yani al-wala. C'est le droit de patronage, une pratique qui existait pendant l'esclavage et qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà donc les raisons qui peuvent vous faire bénéficier de la succession donc d'une personne. Donc un lien de parenté, un lien conjugal et un droit de patronage. En grand droit, nous allons voir les cas de déshéritement. Yani mawani ul ir. Les cas de déshéritement, comme son nom l'indique, c'est les cas où la personne ne va pas bénéficier de la succession de son parent, quel qu'en soit le degré de proximité.
qu'il est lié avec lui. Ces cas sont les suivants. Premièrement, il y a ce qu'on appelle ikhtilaf din. C'est la différence de religion. Si vous êtes de religion différente avec une personne, la succession ne pourra pas être établie entre vous deux. Jamais. Par exemple, si l'époux est musulman, la femme chrétienne, à la mort de l'un ou de l'autre, il ne pourrait pas y avoir de succession. De même entre frères et sœurs, entre père et fils, s'ils ne sont pas de la même religion, donc ils ne vont pas s'hériter. Le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam nous l'a dit, la yarithul muslim al-kafir, wala al-kafir al-muslim. Il nous dit que l'infidèle n'a pas droit à la succession, donc, d'un musulman, ni ce dernier à la succession d'un infidèle. Deuxième cas de déshéritement, il y a ce qu'on appelle qatl al-amdi, c'est-à-dire le fait de tuer volontairement son héritier. Là également, l'assassin ou le meurtrier ne va pas bénéficier de la succession de sa victime. Par exemple, un père qui tue volontairement son fils et vice-versa. Un époux qui tue volontairement sa femme et vice-versa. Un frère qui tue volontairement sa sœur et vice-versa, etc. Dans tous ces cas de figure, l'assassin ou le meurtrier ne va pas bénéficier de la succession donc de sa victime. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous l'a dit, « Laysa lil qatil, laysa lil qatil amdan shay'. » Le meurtrier n'a nullement droit à la succession de sa victime. Exception faite, si l'assassinat n'est pas volontaire. Troisième cas de déshéritement, il y a ce qu'on appelle Walad Zina ou Ibn Zina. C'est l'enfant qui n'est pas issu donc du lien conjugal, autrement dit qui est né hors du mariage. Cet enfant-là, cher frère en islam, ne va pas bénéficier de la succession de son père, même si après ce dernier épouse sa mère. Même si après, je répète, même si après ce dernier épouse sa mère, il ne va pas bénéficier de la succession de son père. Et il faut le dire, ce cas pose aujourd'hui énormément de problèmes dans notre société, surtout avec le code donc de la famille que nous disposons, qui dit que cet enfant-là, bien qu'étant issu hors du lien conjugal, va bel et bien hériter. Ce qui est en parfaite contradiction avec les principes de l'islam. Et tout musulman, cher frère, en islam, tout musulman qui tourne le dos aux principes donc de l'islam et se réfère à ce code, tombe automatiquement dans la mécréance. Wal'iyazu billah. Allah subhanahu wa ta'ala a établi clairement les règles de la succession dans son livre saint qui est le Coran. Maintenant, tout musulman qui laisse ces règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala et suit ce code tombe automatiquement dans la mécréance. Et c'est pourquoi nous incitons ou nous invitons même les parents
qui ont des cas pareils à régler ces genres de situations avant leur mort. Sinon, c'est des problèmes et des tiraillements que cela va engendrer après leur mort. Donc, l'enfant qui n'est pas issu du lien conjugal n'a pas droit à la succession en islam, je dis. Quatrièmement, sur les cas de déshéritement, il y a ce qu'on appelle Ibn al-An, c'est-à-dire l'enfant est désavoué par son père à la suite d'une imprécation conjugale. C'est-à-dire que le parent, que le père, refuse catégoriquement la paternité donc de cet enfant. Ce dernier ne va pas bénéficier de la succession donc du père. Et cinquièmement, il y a toujours sur les cas de déshéritement, Adamu Istihlal. Adamu Istihlal, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas manifesté de signes de vie au moment de l'accouchement. Cet enfant-là également ne va pas bénéficier de la succession de son père. Car la succession, elle est basée sur la vie suivie de la mort. C'est pourquoi le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam nous dit « Il astahala siqqatu sulliya alayhi wa wurifa » Si l'avorton n'est vivant, dans ce cas, il va bénéficier de la succession et on va prier pour lui lors de sa mort. Et par conséquent, donc, si l'enfant, au moment de l'accouchement, pousse un cri, puis meurt, dans ce cas, il va bénéficier de la succession de son père. Voilà donc les différents cas de déshéritement établis par la législation islamique. Quatrièmement, nous allons voir, au grand 4, les procédures de la succession. Chers frères en islam, pour procéder à la succession d'un musulman, il faut d'abord évaluer de façon objective l'ensemble des avoirs qu'il a laissés derrière lui. Et là, on va obliger ses proches de tout déclarer, de déclarer tous les biens du défunt, surtout à ses épouses. Les épouses sont tenues d'apporter des éclaircissements sur les biens et les avoirs que leur mari disposait de son vivant. On va les obliger à éclaircir la situation de leur Marie. Et là, il faut le dire à haute voix. Toute épouse ou tout parent qui ne déclare pas un bien du défunt, Allah subhanahu wa ta'ala va lui priver le paradis le jour dernier. Car il a transgressé une règle de la succession. Et cela entre dans le hadith du prophète Mohammed alayhi salam que nous avions cité tantôt. وَمَنْ قَطَعَ الْمِيرَاثَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ نَارٍ. Celui qui transgresse les règles de la succession en ne déclarant pas un bien du défunt, Allah subhanahu wa ta'ala va sans doute lui priver le paradis. Donc, premier élément, c'est d'évaluer de façon objective l'ensemble de ses biens. Deuxième élément, de réunir l'ensemble des héritiers
ou les représentants, sans exclure personne. De ce fait-là, il faudra fixer un jour précis et informer tous les héritiers pour qu'ils puissent, ou bien pour qu'ils soient tous présents le jour de la succession. Si un héritier a un empêchement, il peut se faire représenter par une tierce personne. Donc, réunir l'ensemble des héritiers. Troisième élément, établissez un procès verbal objectif qui sera multiplié et distribué à chacun des héritiers et qui sera présenté à qui de droit. Quatrièmement, trouvez aussi un spécialiste, je dis bien, un spécialiste pour bien mener la succession. Autrement dit, quelqu'un qui maîtrise bien les règles et les parts prescrites revenant à chaque héritier. Et faites-lui part aussi de la situation du défunt. Il faut lui faire part de la situation du défunt. Clairement, pour qu'il puisse s'imprégner de la situation successorale. Les différents biens que le défunt a laissés, le nombre d'épouses qu'il a laissées, le nombre d'enfants également. Si son père et sa mère sont vivants, c'est à éclaircir. Si tous ses enfants sont issus dans un lien conjugal reconnu par l'islam, oui ou non. Donc, autant d'éléments qu'il faudra éclaircir donc à l'imam ou à celui qui mène la succession. Cinquièmement, de procéder à la succession du défunt le plus rapidement possible. Oui, le plus rapidement possible. De préférence, dès les premiers jours qui suivent la mort, ou qui suivent sa mort, donc, il faudra faire tout pour procéder à sa succession. Car le fait de la retarder ne fait que compliquer davantage, en fait, la situation successorale. Aujourd'hui, ce qui complique les successions, ce n'est rien d'autre que le fait de les retarder. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui, on attend des années durant pour procéder à sa succession. Cela va forcément poser des problèmes. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a ceux qui naissent et d'autres qui meurent. C'est pourquoi l'islam nous recommande de procéder à la succession du défunt le plus rapidement possible. Sixièmement, que la succession soit tranchée de façon définitive, pas à moitié. Sauf en cas de contrainte. Par exemple, si le défunt laisse un patrimoine mobilier, une maison par exemple, il ne faut pas dire que cette maison sera exclusivement réservée comme maison familiale où chacun des héritiers peut y loger. Cela constitue une erreur monumentale. Car une telle démarche va tôt ou tard créer une confusion. Il y a les fils et les petits-fils qui vont venir. Et chacun d'eux va réclamer la part de son père ou de sa mère.
Et par conséquent, donc, la vente sera la solution la plus appropriée. Ainsi donc, on va évaluer la maison de façon objective avec un prix normal. Et la priorité de l'achat sera donnée d'abord aux héritiers. Si parmi eux quelqu'un peut l'acheter, c'est mieux. Et dans ce cas, il va soustraire la part de chacun des autres héritiers et la maison va lui revenir. Et la succession sera donc définitivement tranchée. Mais pas une succession à moitié. Quelques précisions sur les procédures de la succession. Il est bien d'informer l'imam et les chefs de quartier pour qu'ils servent de témoins. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un monde plein de mutations et de bouleversements. Deuxième précision, de préciser également que l'imam ou celui qui mène la succession n'a pas de pourcentage à recevoir en matière de succession. Pas du tout. Et il est important de le souligner parce qu'il y a des gens, excusez-moi du terme malhonnêtes, qui se cachent sous le manteau de la religion rien que pour s'enrichir. Donc l'imam, c'est lui qui mène la succession, n'a pas de pourcentage à recevoir en matière de succession. Tous les biens du défunt doivent être distribués ou partagés entre les ayants droit, autrement dit ses propres héritiers. Néanmoins, après la succession, la famille du défunt peut lui octroyer une somme symbolique pour l'effort, par exemple, qu'il a fait. Car quelqu'un qui s'investit, je le dis souvent, quelqu'un qui s'investit, si vous voulez, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, les serviteurs ne peuvent pas lui rétribuer, en fait, ses bonnes actions ou bien les actions qu'il mène. C'est le cas de nos infatigables imams que nous saluons d'ailleurs tous au passage, qui sont aujourd'hui des éléments incontournables de la société, qui s'occupent de nos baptêmes, de nos mariages, de nos funérailles et de nos successions, et j'en passe. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les rétribuer. Car sa rétribution est meilleure que celle donc des serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, « Inna la nudi'u ajra al-muflihin » Nous négarons où nous n'annulons guère la rétribution que nous devons aux serviteurs qui ne cessent d'accomplir de bonnes actions sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième précision ou conseil, tout imam ou n'importe quelle personne qu'on interpelle, je dis bien qu'on interpelle en matière de succession, et qui n'a pas les compétences requises pour bien mener une succession, et l'honnêteté et la franchise de dire que je ne maîtrise pas les règles de la succession. Pour ne pas avoir des déboires le jour dernier avec ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc quelques précisions qu'il faut prendre en compte en matière de succession. Chers frères en islam, si un musulman meurt
C'est très important. Si un musulman meurt, on n'a plus le droit d'utiliser ses avoirs tant qu'on n'a pas procédé à sa succession. On n'a pas le droit même de prendre ses avoirs pour faire des dépenses, donc de ses funérailles. On n'a pas le droit de toucher un franc sur ses avoirs. Parfois, un défunt laisse derrière lui un bœuf, par exemple, ou des moutons. Et les parents l'utilisent à l'occasion de ses funérailles, ce qui constitue une erreur monumentale. Cela ne se fait pas, chers frères, en islam. Si l'individu meurt, on n'a plus le droit de toucher ses biens ou ses avoirs jusqu'à procéder donc à sa succession. Seules 4 dépenses sont autorisées. Donc, seules 4 dépenses sont autorisées sur les biens du défunt. 4 dépenses que les docteurs de la législation islamique matérialisent en ces 4 lettres. Tadoum. Tadoum. تدوم عتا بمعنى تجهيز الميت الدال بمعنى قضاء ديونه الواء بمعنى الوصية يعني تنفيذ وصيته الميم بمعنى الميراث يعني تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. Donc, on a droit à ces 4 dépenses seulement. L'État signifie Tajhiz al-Mayt, c'est-à-dire de prélever sur son avoir. Là, l'islam nous l'autorise, de prélever sur son avoir une petite somme, juste pour l'achat, de ces accessoires qu'on utilise pour la toilette mortuaire. À savoir le linceul, le savon, les parfums, et de quoi payer celui qui effectue la toilette mortuaire. Ça, on a ce droit de prélever une petite somme pour régler donc ces accessoires. Et là même, si un membre de la famille s'engage à faire ses dépenses, on ne va pas donc les prélever sur les avoirs du défunt. Deuxièmement, le dal signifie qada'u duyunihi, c'est-à-dire de prélever sur son avoir pour payer l'intégralité de ses dettes. S'il en disposait, bien sûr. Et de préférence, de régler ses dettes avant son inhumation pour qu'il ne soit pas dans une situation donc inconfortable. Le waou signifie al-washiya. يعني تنفيذ وصيته. On a droit de prélever sur son avoir, toujours. On a droit donc de prélever sur son avoir pour honorer son testament, s'il en avait fait de son vivant. Et ici, il est important de préciser que le testament est à exécuter s'il remplit 2 conditions. La première, qu'il ne dépasse pas le tiers de son avoir. S'il le dépasse, on ne va pas du tout l'exécuter, pas du tout. C'est très important de le savoir. Donc, si le défunt a laissé un testament pour l'exécuter, si le testament dépasse le tiers de son avoir, on ne va pas du tout l'exécuter. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit même dans le Saint-Coran. « فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ
جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. Quiconque craint d'un testateur quelque partialité, volontaire ou involontaire, et les réconcilie, alors cela ne fera pas l'objet de péché pour lui. Et deuxième condition d'exécution d'un testament, qu'il ne soit pas également destiné à un héritier. Et là, il faut faire la différence entre un don et un testament. Si c'est un don avec des témoins à l'appui, là, ce n'est pas un testament. Donc, la deuxième condition d'exécution d'un testament, qu'il ne soit pas destiné à un héritier. S'il est destiné à un quelconque héritier, on ne va pas non plus l'exécuter. Le prophète Mohammed alayhi salam l'a clairement signifié. L'héritier n'a pas droit au testament. Pas du tout. Voilà donc les deux conditions pour l'exécution d'un testament. Et enfin, le mim signifie taqsimu ma baqiya min malihi bayna al-waratha. C'est-à-dire maintenant, après avoir prélevé donc les accessoires pour la toilette mortuaire, après avoir payé ses dettes, après avoir exécuté son testament, le reste sera réservé maintenant à la succession. Autrement dit, de procéder à la succession du défunt selon les règles établies par l'islam. Voilà donc les quatre éventuelles dépenses qu'on peut faire sur les avoirs du défunt. Maintenant, si le défunt n'avait pas laissé de dette, ni fait un testament, et que sa famille prenne en charge les dépenses concernant donc les accessoires pour la toilette mortuaire, dans ce cas, on ne va rien prélever sur son avoir. Tout sera réservé à ses héritiers. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre émission, sans oublier nos remerciements aux nombreux téléspectateurs d'Africa 7 qui ne cessent de suivre cette émission qui est la voix du croyant. Nos remerciements également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci et à la semaine prochaine. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.